Bon, ok, là vous allez peut-être me demander pourquoi que je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Bon, ok, bon, en ce moment, là, je suis en train d'essayer de mettre Turbo Boost, ok, avec son talent renvoi que, ben, j'ai changé son talent de départ, je me suis dit c'est laquelle, pour renvoi, pour essayer de le mettre jusqu'au niveau 4, pour avoir quand même une bonne équipe de type glace pour la compétition de Zygarde, Zygarde... parfait. Qui est sorti cette semaine. Et là je sais qu'il y en a qu'il y en a un sur Pokébé qui me dit que mes Pokémon sont pas appropriés, celui que j'utilise. Mais j'ai quand même réussi à avoir parfois quelques rangs S avec cette team-là sans item. Et je m'en sors quand même plutôt bien pour les talents. J'en ai juste perdu 4 en 2 jours. Oui, pour vous, ça serait peut-être beaucoup, mais moi, j'assume mes pertes, puis je vais prendre le temps qu'il faut pour le rendre jusqu'au niveau 4. En ce moment, il est au niveau 3, mon Sobobull, et il n'a même pas atteint la moitié de la chose encore. Je sais que Lucario n'est pas approprié, mais je l'utilise pareil. Mais même chose pour pas, même si c'est difficile pour les combos. Ça dépend de plusieurs facteurs pour réussir à rendre S avec ça. Surtout que pour des molos, c'est important d'avoir 7 méga turbo sur 7. Il faut que vous donnez 7 méga turbo à lui pour qu'il méga quand même évolue quand même assez vite. Si vous êtes chanceux qu'il tombe dans le Skyfall assez souvent, ben il peut méga évoluer en 2-3 tours. Ce qui peut vous permettre d'avoir plus de chances de pouvoir obtenir un rang S. Si vous utilisez pour être déchaîné et que vous êtes chanceux d'avoir une vingtaine de combos de temps par temps, ça serait déjà pas mal. J'ai le choix. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, mais on va commencer par ça. Ah, un petit 3 combo, pas pire. Après ça, on fait quoi? On fait quoi? Fais-tu ça ici? Non, oui, non, peut-être. Je sais pas. Comme vous voyez, il faut être chanceux pour que des molosses tombent souvent. Là, j'ai l'opportunité de faire un aliment de 5 qui est clé pour un renvoi de niveau 4. Je le fais tout de suite. Ok. Il va m'évoluer par après. J'ai encore 2 tours, fait que ça va. Je l'aurais pas, mais c'est pas trop grave. Je vais essayer jusqu'à temps que je l'ai obtenu. Facteurs hein, pour obtenir un rang S. Comme je vous expliquais tantôt, ok, des molosses avec 7 méga turbo, le nombre de fois qu'ils tombent dans le Skyfall, puis il y a aussi de la chance pour les combos.
Et aussi, n'oublie pas d'utiliser ou pas déchaîner pour combo tout type. Afin que multiplie toutes les combos par fois 2.5. Mais c'est débile dans sa méga évolution quand il enlève 10 barrières. Ok, avec combo tout type en même temps, ça y a un 5000 d'une shot. Ça, c'est vraiment pas pire. Non, c'est pas si mal. On sait c'est quoi la suite déjà. C'est bon, ok. J'ai rien à dire là-dessus. Non. Ok. Débile! Vous avez vu? Débile mental! C'est débile en esti! C'est fou, 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 fou! C'est un vrai fou! Oh! Un beau rang S là! Oh mon dieu! Les combos au rendez-vous. Oh boy, j'ai battu mon record en plus. De 24 000. Oh yeah, c'est rendu 25 000, 26 000. Wouhou, 202. Youhou. Ah, ça m'a pris juste deux essais pour rester sur la RS là. Vous voyez. Bon, maintenant. La puissance de chacun de mes Pokémon sont ici. Je peux te dire que c'est vraiment débile pareil. Hein? Quand Combo tu sais, ça active au même moment que tu actionnes le talent de la méga évolution d'un des Pokémon, c'est fou comment ça fait des dégâts. Vous avez vu 4995 à 8 coups restants. Après ça, il sortait une deuxième fois puis 10 combos. Youhou! Là, j'ai été chanceux pour tout. Pour tout, pour tout. Juste un peu de misère avec des molosses, mais ça a bien été. Quand même. Bon, j'ai pas été vexé par le monde qui me dit que mes Pokémon n'étaient pas appropriés pour sort Bobble. Mais je vous ai prouvé que j'étais capable de refaire le rang S. Et en plus de ça, j'ai battu mon record.